On va reprendre d'ici du coup. Donc après nos aventures où effectivement j'étais un peu trop vite. Et du coup, j'ai fait une quête avant d'avoir la quête. Donc on reprend d'ici. Alors on a un mec à buter. Qui est juste ici, qui arnaque les gens. Et qui veut que je l'escorte jusqu'à sa planque. Ça me semble être une bonne idée de faire ça, tu Let's get moving. You ready? Let's go then. Allez, allons-y. Il est passé où? Il est où? Il est où? J'ai un doute d'un coup. Ah, il est là, c'est bon. C'est juste qu'il est passé par l'autre porte. Ok. Damn it, Arcopian, I didn't see that coming. Non, on peut l'emmener jusqu'à sa planque et le tuer à sa planque, je pense que ça peut être pas mal. Parce que lui c'est vraiment un enfoiré, hein. Il attire tous les nouveaux pour les plumer. It's okay. Let him come. I'll be ready for him. We're almost there. Make it quick. Oh bah ça va, elle est pas loin sa planque. En fait. Montre-moi ta planque. Dis-moi tout. Wait here. I've got something to take care of, then we'll move on. Ben voilà. En plus, on l'a rangé direct, c'est parfait. Ni vu ni connu. Hop là. Les prix qu'il croyait prendre exactement. Et la récompense, elle est sur place. Hein. Bon, bah, ça c'est fait. On commence par un petit tir dans le dos. Mais il méritait. Tout va bien, il méritait. Zakhar Babai fled the slug heap. Did you lure him out? Anyway. How did it go? Yeah, he won't bother us again. Thanks. Now that bastard can't hurt anyone ever again. Oh, I wish I'd been there to tell him goodbye and spit in his face. Here's your payment as promised. I wish I could pay you even more, considering all you have done. I'll raise a glass to your health at Bowser's. Actually, make it several glasses. After that, I'll figure out what's next. Maybe I'll stick around here. It should be safer now. Pretty much everyone in the zone wants to screw you over. Most of them already have. Good luck out there. Eh ben parfait. On est comment niveau stuff? Pour échanger les attachments de lui pour pouvoir le réparer. Ah mais lui il a un nom. Du coup je vais garder celui qui a un nom. Ok, ça marche. Vas-y. Take your pick, stalker. You got some... Tiens. Bring back some loot next time. Yup, Marshall. Alors, du coup, on va aller à cette fameuse quête. La fameuse.
Donc ça c'est la quête où en fait j'ai déjà avancé moi, j'ai déjà récupéré... J'espère d'ailleurs que ça va marcher quand même. J'ai déjà récupéré la cargaison et tout, donc je pense que malheureusement... Peut-être en la mettant pas par terre et en la récupérant au moment où la quête me le demande. J'ai un poil trop avancé dans la quête. On a été trop efficace. N'empêche que je vais avoir fini ma deuxième zone. Bien parti pour. Le problème c'est qu'on va devoir refaire le truc au... En fait il y a un endroit où on est allé juste avant là. Pour ceux qui prennent un cours de route. On avait tué un mutant, on va devoir le refaire. C'est pas grave mais... Rien. Hop. Ah, ça a pas marché. Hop. Donc voilà, ça c'est le chat nous a encore pris notre part et tout. Donc en fait, il voulait interrompre le coursier. Et c'est l'enseignant qui veut interrompre le coursier. Alors, récupère la cargaison. Hein. Il a l'air de l'avoir bien pris là. Attendez. C'est bon, ça l'a validé. Directement, rapporter la cargaison. Ça va passer à l'étape suivante. Oh, on va avoir débloqué la quête. Tout va bien. Ça va. Parce que j'ai rechargé, du coup. Donc je pense qu'on va être bon, là. On va être bon aussi pour devoir retourner qu'est-ce qu'on va faire au mutant, mais bon. Deux en plus, on a deux ces endroits. Hop. Salut Duke. On est tout bon. En fait, c'est si on a déjà rendu la cargaison que ça fait que la quête elle avance pas. Forcément. Derrière, il y a un truc à choper là-haut. Take your pick, stalker. You wanted me to find that shipment your courier couldn't deliver. Yeah, and I'm still waiting for it. I've got your goods. The job's done. You're a man of your word, I see. Well, so am I. Your coupons are on the way. Du coup, c'est bon, c'est validé. Parfait. Parfait, parfait. Take your pick, stop. You got... Okay. Bring back some loot next time. Comment au niveau de thune, là? Oh, je sais bien, j'ai 45 000, on va aller réparer mon arme principale. Ah, bah c'est gentil ça, Arconic, merci. Musique, il est passé par mon lien Gamesplat. On dirait presque que je t'ai dit de le dire, tu sais. Effectivement, qui se trouve en description pour ceux qui avaient en audio, et qui est juste là aussi pour ceux du live. Trop gentil, merci.
Réparation. Réparation. J'ai réparé mon arme. Bon, même si je l'utilise beaucoup moins depuis que j'utilise le shotgun. Tell me what you want. What you really want. Pardon. Hop. Réparer. Voilà. Et lui, on pourrait lui faire des petites améliorations. Hein. On a quoi? Donc, son recul, vitesse de visée, récupération de recul, se déplacer en visant. Il faut le chargeur. Okay. Attends, mais du coup, il existe un chargeur augmenté encore? Pas mal, hein? On peut mettre le pointeur de laser et ces trucs-là. Je pense que oui. Hein. Ah, il faut ce canon pour pouvoir mettre ça. Ok. Hmm. Bah on est pas mal avec ça. Hein ça j'ai pas. Faut le plan. If you want to talk business, stop by. Ça coûte rien, Duke. T'inquiète. Ça coûte que dalle, là. C'est pas un problème. Je passe pas des heures à marcher le dos plein pour pas m'amuser avec mes équipements. Par contre, là, je suis pas sur les bonnes cartouches. Ah, ça y est, changé. Ah, mais non, oui, oui. Avec le canon spécial. Le problème, c'est que je change de type de balle. Ça, j'y avais pas pensé, par contre. Ça, c'est chiant. C'est pour ça que je voulais faire l'autre à la base. Dommage. Chargé. Hop. Je voulais que ça change de type de balle, c'est pas ouf. L'heure, attendez. Celui-ci, ça doit être bon. Il n'y avait pas de bug d'argent. Simplement, il y a des gens qui font une manie pour payer, pour vendre au prix vendeur. C'est-à-dire que quand tu vends à un vendeur dans le jeu, comme dans tout jeu de ce type, si tu vends une arme, tu la vends moins cher que si lui te la vend. C'est normal. Lui te la vend 2400, là. Toi, tu vas la vendre 500. C'est logique. J'ai 2400, mais c'est 1500 à gauche. Tu vas pas lui vendre au prix qu'il la vend lui. Comme dans tous les jeux. Sauf qu'il y a des gens qui font une manip, qui font ce qu'ils veulent, hein, qui permet de vendre à 1500 au prix vendeur. Donc c'est pas un bug, c'est simplement une fonction classique. Mais du coup, il n'y a pas de problème d'argent réellement dans le jeu, de toute façon, si tu joues comme un jeu dans lequel tu lootes, quoi. À moins de vouloir être millionnaire au bout d'une demi-heure, quoi, mais... Il n'y a pas de souci. Bring back some loot next. Donc on va juste faire la réparation que j'avais dit. The brood and the comets qui est de l'autre côté. Tear us apart now. Either them or their masters. C'est pas un bug.
Le seul truc qui va être modifié par le patch, c'est que tu puisses revendre plus cher s'il y a des accessoires. Parce que s'il y a des accessoires actuellement, ça compte pas que le fait qu'il y ait des accessoires. Tell me what you want. Il vous suffit de les démonter. Hop. Voilà. On va faire juste ça. If you want to talk business... Hop, ça c'est bon. La cache ici. La cache là. Ah bah oui, la cache là. La fameuse. Celle qu'on a déjà faite, mais comme j'ai rechargé pour que la quête fonctionne correctement, on doit la refaire. Aïe, aïe, aïe. J'ai trop. Ouais, c'est plus haut, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Alors moi j'étais allée là. Je pensais être allée là. Mais c'est plus haut encore. Mmh. Ça c'était dangereux en tout cas. Mais si je veux aller plus haut, faut que j'aille par la décharge en fait. Oula, ça va mal finir. Quelques radiations, trois fois rien. Faut pas passer par là, je vous le dis. Comment ça? Comment ça des radiations? J'avais vu hein, que j'étais irradié. Hein. Je voulais voir jusqu'où je pouvais aller. Pousse. Vous passez, fais-le. 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 Ok, fais-le pas. Du coup, faut partir de ce côté, sinon ça n'ira pas. Je crois qu'en passant de ce côté, ça devrait le faire. Déjà, il y a ça. Déjà. Tu crois que c'est le tétanos qui m'a eu? Possible. Ah, il a sauté. Chien. Il a pas sauté. Des fois, il saute pas quand tu cours. Il est feignant. Il avait probablement plus assez de stamina, tout simplement. C'est pas genre, il a pas choisi. Je trouve vraiment qu'il y a des trucs cachés sur le hub. Oh. Là, ça fait trop loin. Ok. Est-ce que là, je pourrais aller là? Oh oui. Ah. Mais en fait, on pouvait aller par là. Hein. Mais bon. Bref. Ah, c'est là-haut. Lol, je viens de voir. C'est bon. Je pense qu'elle est là-haut, la cache qui nous intéresse. C'est drôle. Holy shit. Another one. Can you see the
Attendez, parce que je la vois pas la cache. Allez là. Lol. Vas-y, fais-le. Quelle aventure. Us. Us. Ah. Ah. Ça, c'est très embêtant. Ah. Ah. Fonce. Hâte les bêtises. Pensons que la radiation va moins vite que dans le jeu d'origine, hein. Clairement. Clairement moins vite. Hop là! Tadam! Delete. Ah, ça marche, c'est juste qu'il faut qu'il ait assez de stamina, en fait. Et si tu vois, il reste moins d'une barre, il y a 3 barres, tu sais, d'endurance. S'il reste moins d'une barre au moment où tu veux sauter parce que t'as couru, bah, tu te fais douiller. C'est ça le truc. Bon! Maintenant, on va aller faire un truc tout aussi agréable. Vu qu'on est dans les trucs agréables. On va aller s'équiper de la planque. Avec le mutant. Calmons-nous, calmons-nous. Ensuite, on fera l'autre planque tout là-bas où il y a le polter, et ensuite on sera bon, on sera à jour, on pourra continuer la principale, puisqu'on n'aura plus d'annexe. C'est parfait. C'est juste ici. Ok. Vous êtes prêts? Ce qui est fou, c'est qu'il m'a pas attaqué la première fois. Allez, let's go. Ah ouais, tu triches en plus. Je l'ai trop bien géré. Franchement. Très contente d'avoir refait ce mutant rien que pour ça. Oh là là. Expertise, hein. Non, c'était bien, hein. Bim bam, qu'est-ce qu'on s'en fout que tu sois invisible. T'as cru quoi? Là, ça m'en ressort, hein, tu sais. Oh, c'était efficace sur 20. Donc ça, c'est bon. Maintenant, voilà. Non, je l'ai enlevé, ça. Il n'est pas amélioré, mon shotgun. J'ai cancel. J'ai rechargé, parce qu'en fait, ça a changé le type de mine. Donc là, il n'a pas d'amélioration. Non, non. J'ai simplement mieux joué. C'est tout. Par contre, on a chopé, du coup, une lunette x4. Ça, c'est cool. C'est cool. J'ai juste mieux joué. Après, je savais qu'il allait sortir, donc vu qu'on l'avait déjà fait. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, on l'avait déjà fait parce qu'en fait, j'ai dû recharger parce que j'avais avancé une quête sans avancer la quête. C'est-à-dire que j'étais allée à l'endroit de la quête sans le savoir. J'avais récupéré un item, je l'avais rendu, etc. Du coup, ma quête était coincée. Donc j'ai rechargé pour refaire correctement cette quête.
Et donc, dans ce que j'avais à refaire, il y a ce qu'on vient de faire. Très contente que ce soit passé comme ça parce que bon, au final tout va bien. De toute façon je suis tellement satisfaite du fusil à pompe depuis que je l'ai là, c'est le kiff. On va rester sur les hauteurs parce que sinon on va pas pouvoir choper le truc. Ça me fait peur le truc nouvelle région. Telegram, ça va bien toi? Ma save sur GeForce bug. Ah mince! Une question de place peut-être? Comment ça se fait? Petit bruit là pour bien me foutre la pression. Je suis fatiguée. À qui me dis-tu? À la force d'un stalker. Ah, c'est sûr qu'il peut être en forme quand même un petit peu. Pour aller se perdre dans la pampa radioactive. Sinon, ça risque de mal finir. Bon! Et bah, c'est parfait. On va avoir rattrapé et moins notre quête n'est pas buggée. Aïe, j'ai mal. Pour retourner en ville du coup. Save d'avant. Ah ouais. Ah c'est bizarre, ouais. T'es dans une espèce de boucle quoi. Et est-ce que... Ah oui, bah non, la save elle est en ligne en plus. Ce que je veux dire, est-ce que tu peux pas genre mettre la save de côté, tout désinstaller, tout réinstaller? J'imagine que tu peux pas faire ça. Je connais pas comment fonctionne GeForce, mais... Ah, c'est chiant. Là, ça vaudrait le coup quand même de demander au support de GeForce, parce que ça vient aussi de chez... Enfin, je pense que ça vient de chez eux, là. Jaline vient de sortir. C'est un comment, celui-là? C'est dans quel style visuel? Ils veulent ma mort. À l'aide. TPS. Ok. Et c'est en mode genre il te poursuit et... Genre c'est plus survival horror. Jeu d'aventure. Comme le cloud, c'est pas... je vois.
Bah, la seule solution là, c'est de voir avec le support, je pense. Hein. Parce que tu payes quand même, GeForce, non? Tu payes, hein? AlexCom. Ah ouais? Si c'est l'AlexCom, ça peut être intéressant. Ouais, ouais, bah faut que t'arrives à avoir le support là. Qu'il puisse te reprendre ta save, te reset le truc, je sais pas. J'ai nervé! Aïe. Vraiment, à chaque fois, je me fais bolos ici, c'est terrible. Toujours très dur de revenir en ville. Pas tout de suite, c'est quand Indiana Jones? Attendez. Oh, dites-moi la date exacte. Non, parce que moi je l'attends aussi beaucoup. En plus, j'aime beaucoup ceux qui font Indiana Jones. C'est ceux qui ont fait les. Mince, comment ils s'appellent? Wolfenstein récent. Et j'avais beaucoup aimé. It's gonna be hard time for the slagging. Nestor picked the wrong time to piss off. 9 décembre. Take your pick, stalker. Ah, dans ma tête, c'était début d'année, tu vois. Eh bah, super. 6 décembre, 8 mai, ça sera 6 alors. Nom de Zeus. Ah ouais. J'ai pas envie de la vendre, la tenue. Elle vaut pas tant que ça. Et comme ça, je peux. Genre, c'est pour la collection. Bring back some loot next time. Some loot. Si je veux d'abord. Laisse-moi. Je sais pas 19. Ça ira bien comme ça. Du coup, ça on le range aussi. Ok. Eh ben, on est bien. Qu'est-ce que t'en penses, Denis? Moi, je pense qu'on est bien. J'espère que t'es mon pote parce que je t'ai aidé quand même aussi. Genre, c'est même pas mon pote après tout ça. Tu te fous de moi? Bring back some loot next time. Pas très gentil, hein. Alors, donc ça. Normalement, on est bon. On a fini tout ce qu'on avait dans la décharge. On n'a plus qu'à aller faire la vraie quête. Examiner l'atelier à la recherche d'indices. Allons-y. C'est beau, quand même, hein. C'est bien clean. J'aime bien. Qui nous dit... C'est intéressant. Nestor, le cahier de la décharge, a disparu sans laisser de traces. On dirait que toutes les personnes impliquées dans le projet scanner ont des ennuis. Même Diol, le technicien du Caïd, est dans une situation délicate. Je devrais aller le voir au Terril pour découvrir ce qu'il sait. Mais là, on m'a dit d'aller... machin. Enfin, une vraie save. Hop. En plus, je suis bien contente qu'on ait rechargé pour l'autre quête là. Ça m'aurait saoulé d'avoir une quête qui reste comme ça en suspens alors qu'elle est faite. Ce serait resté. Ça aurait été dommage. Bon, il aurait probablement corrigé au prochain patch, mais bon. Mange. Mange donc un bout de pie. Hop. Moi aussi, je vais boire un coup, c'est un pan qui mange. Attendez, F5. Ici.
comprends pas ta question quand tu dis à fond quoi tes anomalies. Je pense que tu parles de mes artefacts. J'ai un artefact pour l'électricité, les saignements. Et un artefact radio. Voilà. Le terrible comme dans Harry Potter, c'est vrai. Il y a d'ailleurs une ref à Harry Potter dans le jeu. Avec le... l'arbre, avec la voiture dedans. Je l'ai vu sur les réseaux. Ben, je vois que c'est encore très vivant par ici. Ouh! Rappelez-vous de la GP37. Aïe aïe aïe. La GP37. Non, j'en ai marre de vos conneries. Ah ouais? Et c'est censé dire quoi? Vous agissez tous comme un troupeau de bêtes domptées à la botte de Roosevelt. C'est un putain de flic, je vous le dis. C'est bon, j'ai pigé. Et quand je viendrai te péter les jambes pour avoir ouvert ta gueule, tout le monde t'entendra hurler à la mort. Super. On est tous sympathie, hein. Ouais, mais il était cassé, donc on peut pas encore l'utiliser. Mais ça reste le premier GP37 qu'on croise, je crois. Quoi qu'il en soit. C'était quoi? Waouh! C'était beau ça! Dis donc! Ok, c'est mon tour. Ça va le finir cette histoire. Laissez-moi! Je vais foncer, hein. Je vous le dis, hein. Ok. Tout va bien. Alors, je n'ai pas cette carte, mais peut-être dans un gars. Le temps qu'il fait ne m'inspire pas. Parfait. Le petit souterrain non plus, ça m'inspire pas. Si vous voulez que je vous donne mon avis dessus. Hein? C'est un peu la grosse bête. Donc là, on va remonter par là. C'est un peu violent là. On va le désactiver ça. Hmm.
Ah, c'est par intervalle, semblerait. Ou par proximité, je sais pas. Bref, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Ok. Type 5 là. Qui ça? Non, j'ai pas l'impression qu'on puisse y faire quelque chose, mais. Et Vanilla. De toute façon, j'ai récupéré ce qu'il y avait à récupérer, donc. Je pense que c'est good. J'ai eu la carte. Ah oui, j'ai eu la carte, elle est là. Parfait. Je peux essayer si tu veux nous rapprocher, mais je crois qu'on peut rien y faire. Non, on peut rien y faire. Hop là. Non. J'étais sur l'échelle. Du coup, j'ai pas pu me soigner. Morts, terrible. Ah oui, surtout que j'ai fait 3 heures d'annexe, qui t'aurait pas spoil du coup. Et là, je repars sur la principale, donc là, pour le coup, ouais. C'est du spoil. Alors attends, pour briser ta config. Après, il peut y avoir avec les mages des optiques qui peuvent faire que ça aille mieux sur ta config. En vrai. Oh, c'est juste pour une arme en particulier celui-ci. C'est un tout, hein. C'est pas juste un processeur, c'est pas juste une carte graphique, c'est un combo. Du coup, ce qui est souvent, trop souvent oublié d'ailleurs. Là, ça va être chaud là. Vas-y. C'est bon. Allez. Mais du coup, tu devrais changer de processeur quand même, tu vois, parce que du coup, là, ton processeur, il bottleneck ta carte graphique. C'est comme ça qu'on dit. Complètement. Ah bah parfait Vania, en vrai ça va. En vrai, pas si mal. AMD la réponse à tous vos soucis. Je devrais être sponsor AMD hein.
Gardez vos organes entiers et passez chez AMB. Je rigole parce que vous voulez, bien entendu. Mais je recommande. Moi, depuis que je suis full AMD, déjà quand j'étais passée en processeur AMD, j'étais très contente. Et là, depuis que je suis full AMD, j'ai vraiment un retour d'expérience très très positif. Ça veut pas dire que la concurrence est moins bien, hein, mais mon retour d'expérience est extrêmement positif. Or, le tarif est ce qu'il est. Donc c'est vrai que j'ai tendance à recommander. Mais après, ce qu'il y a, c'est que quand vous devez pas changer de constructeur, forcément vous changez de carte mère, tout ça, donc voilà. Juste pour l'exclamation config. Hop. Tac. C'est lui, non? Non, c'est pas lui. Ah, mais oui, c'était ok. Pardon, j'ai oublié qu'il pouvait aussi être un. I found this on the bandits. Look familiar? Of course it does. It's a key card to my workshop, a spare one. It was Nestor's. The hell you get me into, you old prick. Do you think whoever sent those men after you has Nestor? I bet on it. And you better believe Nestor's singing like a canary. Can't blame him, though. It's hard to keep your secrets when somebody's pulling your toenails out with pliers. And believe me, plenty of guys at the slag heap own pliers, not just techs. Any idea who they were working for? None whatsoever. When it comes to the whole scanner business, I'm just a cog in the machine. I haven't got a clue who the customer is. As for Nestor, well, he had everything written down. As far as I know, he kept all his records in a special stash. Why don't you go and check it out? You never know. All right. I'll go have a look. You've got the coordinates. Keep me posted. Just I hope you're here to talk business. Tell me what you want to... J'ai pas moyen d'augmenter encore. Et ça, j'ai déjà mis là. What? Attends, c'est pas mon gilet. If you want to talk business, stop by. Bah si. I hope you're here to talk. Tell me what you want. Vraiment, à chaque fois qu'il dit tell me what you want, je pense au Spice Girl. C'est terrible. À chaque fois. Ah là là. C'est rude. C'est rude. Ah voilà, ok, c'est parce qu'il était pas réparé. Ah bien. Mais attends, il me repropose de l'améliorer. Et nous, on avait mis ça. Ah non, c'est pour pouvoir changer entre lui et lui, ok. J'ai compris. C'est bon. Et là, regarde, je peux lui mettre le truc d'endu. Vas-y. S'il te plaît. If you want to talk business, stop. What you really, really want? Terrible. Take your pick. You got some. Hop.
Oui. De toute façon, niveau amélioration d'opti, ne serait-ce que parce que les devs sont hyper ouverts au mode. Donc quoi qu'il arrive, ils sont pas en mode blocus, vous voyez. De l'inverse. Rien que ça fait une belle diff. Hein. Ouais, il buguait pas Cyberpunk à la sortie. Mais j'ai toujours. Franchement, ça se passe plutôt bien. Et j'avais pas cette config là d'ailleurs. Alors. Pardon, parce que je fais mes affaires et du coup. Nestor 1, fouille à plan de Nestor, ok. Elle est à l'intérieur? J'ai un doute. Nestor? Où est ta planque? Qu'elle est à l'intérieur? Petit squat? The brood and the commissary are gonna tear us apart now. Either them or their masters. Qu'est-ce qu'il nous dit? What do we do? Je vais appeler Nestor. Me dites pas, hein, d'ailleurs, si vous savez. Ça, on se met dehors. Dehors. C'est dehors. C'est là. On va. Peut-être en dessous. Ou peut-être au-dessus. Peut-être juste le sac qu'il y a là. Qui avait là, qui est plus là d'ailleurs. Ouais, c'est étonnant qu'ils veuillent mettre du multi. Tu vois, moi, ce genre de jeu, je joue pour l'expérience solo, hein. Bon. Faut juste pas que ça desserve le jeu, quoi. C'est plus ça. Mais si c'est bien amené, pourquoi pas? Je vais finir par tomber sur Nestor, je le sens. Ah! Pas Nestor, ça. C'est pas notre objectif. On va crever de tes histoires, Nestor. Je sais pas si tu te rends compte. Ça picote un peu. Oh, mais c'est vraiment une très bonne idée. Très très contente d'aller là-dedans. En fait, c'est un piège à Stalker. Bon, on respire 2 secondes là. Ok. Oui, c'est écrit que les équipements sont transférables en multi. Oui, je. Écoute. Alors bien, en vrai, si c'était un truc, t'as raison, si c'était un truc à la Tarkov, ce serait ouf. Nous verrons bien. Juste tester. Moi, ouais, tiens.
Et ben, cette aventure qu'on vit là. C'est beau là comme ça. Oh, avec le gars et tout. Voilà ma miniature. Elle est là. Totalement. Bonjour, même tu vas. Richter. Richter. Skiff. What are you doing here? Just living a little. I mean, take a look at the view. Stay away from the edge. Isn't it beautiful? It's a lot of trash. Food waste, human waste, you name it. You could find anything you want in here, Skiff. A friend, an enemy, money, death, miracles, even yourself. You ever been to the zone center? Not to the plant, no. You can't get in. Why are the Stalkers so obsessed with the CNPP? Because the plant is the heart of it all. It's the very essence of the zone. I mean, you won't find anything there now. It's a plunder pyramid. Word is even the Wish Granger was stolen. But I have been to Pripyat, and this will pay for one ride. What? Oh, we got hammered once and went on the Ferris wheel. It was a pretty shitty ride, but we had a hell of a time! If crows are nesting in the landfill now, that means... Skiff? Have you ever lost something you've loved? What happened? Fine. So what do you think of the zone then? I don't know yet. I get it. It takes time to hear it. But keep your eyes and ears open. The zone might just help you. If you ever go to Pripyat, the first ride on the Ferris wheel is on me. I know it might seem like the zone is nothing but darkness to you now, Skiff. But trust me, it's always sunny in Pripyat. You'll see the other side of the zone soon enough. Je vais aller au bout. Est-ce que c'est une bonne idée? Oh! Bon, le même que j'ai déjà. Mais il est modifié, je crois. Il est modifié. You might be an egghead, Herman, but your plan sucks. Let's do it the smart way, okay? You throw the scanners away with the circa trash. Make sure nobody sees you. Diggers get them and bring them to the labyrinth for radiation cleanup. I'll get artifacts to absorb the radiation. Swiping a few from Lonus ain't a problem. Once clean, I'll send Dio to tinker with them just like we talked about. Then we scatter them around the dig site, and I'll send the coordinates to our bios. Just keep your freaking head down, you got it? You better. You're a smart one. I met some weird guy underneath the factory. He did something to the wardens. Congratulations, you just met a zone legend. What about the guys from the detention center? Are they legends too? They wish. Right now, they're just good people. Personne s'est pas nagé, oui, c'est vrai. But your face is nowhere near as pretty as the view around here. C'est pas faux. Examiner le labyrinthe, entrer dans le site d'excavation.
Passe une bonne soirée, petit bonhomme. Et bonjour à toi, du coup. Il y a une planque ici. Oh. Pas malin, ça. C'est pas malin. Bon, bah, on va aller à ce truc-là, je pense. Grotte. Oh, j'ai pas envie d'aller dans une grotte. Oh. Vraiment. Alors. C'est mauvais, là. C'est mauvais. C'est mauvais, Jack. Au secours. Et en plus, il a faim. Rien à voir. Pourquoi il veut pas passer là? Moi, je veux qu'il passe là, mais il veut plus. C'est très embêtant. Enfin, sinon, on va droit devant. Cours! Cours pas. Tant de guette mort. Ah, on a pas regardé le gun, qu'est-ce qu'il avait de différent? En plus, c'est pile ce que j'utilise. C'est fou, ça. Ok. Ah, mais il est pas... Je veux que ça arrive, bien sûr. Oh! Vraiment. Et j'avais pas sauvegardé après. Super quoi. Alors c'est reparti. You might be an egghead, Herman, but your plan sucks. Let's do it the smart way, okay? You throw the scanners away with the circuit trash. Make sure nobody sees you. Diggers get them and bring them to the labyrinth for radiation cleanup. I'll get artifacts to absorb the radiation. Swiping a few from Lonus ain't a problem. Once clean, I'll send Dio to tinker with them just like we talked about. Then we scatter them around the dig site. And I'll send the coordinates to our bios. Just keep your freaking head down, you got it? You better. You're a smart one. I met some... No offense, Gif, but your face okay. Is nowhere bon. Near as pretty as the view around here. C'est bon. Alors, le truc, c'est que tout est dangereux. Je suis obligé de reprendre ce chemin. Ah ouais, hein. Pas le choix, hein. Ça va se passer. Ah, par contre, on n'a pas testé, attendez. Peut-être qu'ici. Non. Oh, il a le chargeur amélioré. C'est ça, sa diff. OMG. Il a le chargeur amélioré. Oh oui. Ah, mais en fait, on peut pas repasser par là. Super. Ah. C'est pas grave. Oh, il a le chargeur amélioré. J'ai... Oh, c'est trop bien. Oh, je suis refaite. Mon arme préférée, bam, je le chope. Enfin, mon arme préférée depuis pas 3 siècles, mais là, dernièrement. Et je le chope avec le chargeur. C'est beau la vie. Bon, mange donc un morceau, puisque t'as faim. Comme si c'était le moment d'avoir faim.
Hop. Il y a peut-être une échelle au bout. Attends, j'ai cru voir une échelle. Oui, il y a une échelle. Enfin, je crois. Pas vraiment une échelle, ça. C'est pas une échelle. J'ai cru. Ce n'est pas une échelle, là. Alors le truc, c'est que si je passe par là, je me fais déglinguer. Ah, c'est vraiment du rapide. Hein. Pas comme ça. Je vais faire 40 morts à cet endroit-là, tu sais. Faut pas me dire. Je précise quand même, parce que quand je meurs plusieurs fois d'affilée, ça peut donner envie de dire mais... Oui. Tu vois pas le chemin, là, au milieu? Genre là, c'est aussi irradié si je vais là tout droit. Ah ouais. Bah la décharge a toujours été un endroit où irradié. De fou. C'est le principe en même temps. Mourir le chemin. Là, je t'ai pas raconté la suite par rapport à mes histoires, Marjo. Je t'envoie la suite. Par là, c'est aussi la mort. Attends, mais ça va me faire beaucoup de morts pour rien, là. Enfin... C'est vrai qu'on puisse pas ressortir à l'autre endroit. Oh, y a forcément un truc que j'ai pas vu. Hein. No offense, Kif, but your face is nowhere near as pretty as the view around here. C'est pas une échelle. Hein. Je maintiens que c'est pas une échelle, ça. Je me suis foiré sur le chemin retour, il y avait quand même un endroit. Ah oui, bah il y a eu ça dans mon département. Moi je viens de Seine-et-Marne, il y a un mec qui a été arrêté pour ça, il enfouissait des déchets dans des champs. Il avait trouvé le filon. Il semblerait. Pas là. Si on va pas là, on a pas trop d'autres possibilités. Ça se trouve, il faut forcer. Oh non. Oh non. J'ai chu. Bon, t'arrêtes de coincer tes pieds là et puis ça va aller. Hein. Oh. Y'a pas l'air de pouvoir faire ça. Hein. Oui, non, mais il faisait ça illégalement dans des champs, hein, hop. Et il se faisait payer. C'était un truc en mode. Tu vois, comme si toi là tu décides que ton jardin hein, ça va servir à ça. Ah, j'ai un problème. Ah, ça doit être ma. Oh, comme si c'était le moment. Attendez, ma preuve de souris. 3 secondes. Terrible. On peut reprendre. Avec une souris qui fonctionne. C'est quand même mieux. Parce que je vais faire plusieurs sauts d'affilée. Bon, ça n'a pas de rapport. Hein. Tout ça nous laisse peu d'options, du coup. Attends, je vais recharger de où on était, parce que... On peut s'embêter, quand même.
Tant qu'à faire. Bah, on peut pas voir là, c'est sûr. Enfin, ça se trouve, on peut se TP ou un truc du genre. Hein. J'ai pas essayé. Ça a pas l'air. Et dès que je mets un pied là, c'est foutu. Alors, à moins... Peut-être y aller comme ça. Je pense que je prends quand même. Ah, puis surtout quand je... complètement coincé dans un truc en plus, c'est terrible. On peut pas se TP. Attends, je vais vérifier. Je vais vérifier sur l'autre ville aussi. Non, non, non. Bah si, en fait, il y a des TP, mais entre les villes, mais pas comme là, quoi. C'est quoi V? Ah. On se met au joueur. Mais ce qui est bizarre, c'est que je sois là. Et qu'une fois ici, on n'ait plus d'autres options. Il y a forcément autre chose que j'ai pas dû voir. Là, il y a un chemin un peu. Ah, voilà, regardez, il y a un autre trou. C'est bon. J'ai trouvé. C'était juste l'autre côté du truc. Putain. Ok. Tout bien. Nous sommes vivants. Vraiment, il est fragile quand même. Bref. Nous sommes vivants et on a le shotgun mieux que ce que j'avais, donc ça je suis trop contente. Let's go continuer. On s'en est sorti. On a mis combien d'heures à sortir de cet endroit? Dingue un peu, hein. Un peu. Bring back some loot. Bisous. Bisous. Ok. Alors. Bah, je vais prendre l'objectif qui est devant moi. Labyrinthe, je le sens trop pas au niveau du nom. Je me suis rajouté quasi 10 morts. Hein. C'est vraiment ça. J'étais genre à 33, j'étais à 39, un truc comme ça. 6, du coup. Il est toujours là, le cadavre? Ouais, il est plus là.
Ah, mais ils sont vraiment beaucoup là. Attends. Restons raisonnables. Ils sont quand même beaucoup. Mal à la taille du rat, c'est clair. Là. Y'en a re. Où est-ce que vous étiez? Oh, je crois qu'ils réapparaissent. Je pense qu'ils réapparaissent. On peut user toutes nos balles sur eux, hein. On va rester raisonnable. Pourquoi? J'examine. Je suis censé être au bon endroit. Voyons voir sur la map. Plus derrière moi. Je pense que c'est là-dedans. Vilaine bête. Ils sont quand même très nombreux, hein. Ça me fait douter. Le respawn, c'était peut-être un bad luck. Raté. Je vais faire un couteau, peut-être. Allez-y, amenez-vous. C'est très raté. Parce qu'en fait, comme j'ai pas assez de stam, c'est totalement raté. Ça vaut pas. On va recharger. Ça évitera des problèmes. Hop! Strelok. El famoso. Il me dit à 67 mètres là. Peut-être sur les cadavres là. Je pense que ça peut être pas mal.
Oh! C'est devenu mon animal de compagnie. Voilà. Ouais, j'ai aussi cette arme là. On dirait des enfants turbulents. Mais c'est moi. Il reste un peu d'enfants là-bas. C'est pas mal ça. c'est assez terrible ce que j'ai fait. Donc ouais, sur les cadavres là. Je vois bien ça sur les cadavres. Ah. Marche moins bien ça. Coincé. Allez, saute, saute. Je vais pas. Bonne technique, hein. Je vais les attendre ici, ça marche aussi. Ok, la zone est clean. Solid. Go to the mark. Tomorrow I'll be waiting at the factory for the results. Mm-hmm. Du coup, c'était ça les indices qu'on cherchait. Timium.
Pour bien remonter ma vie. Bon, bah, je pense qu'on est pas mal. Et maintenant, le site d'excavation. Situé ici avec en plus une petite planque en rave. Ça, c'est parfait. Mais c'est un endroit où j'allais en plus. Ce serait bien qu'il pue les ennemis. Ah, c'est l'usine! Ah, bah l'usine, c'est l'endroit où, soi-disant, j'ai loupé un stuff en plus. Il y a un truc qui me suit, mais. Save, hop. C'est quoi l'artefact qu'on a eu? Limas. Action radio. Des morts environnementales. Ouais, du coup, ouais. Là, forcément. Ouais, c'est pas grave. Hein. Et ouais, on pourrait aller rechercher la tenue que un joueur m'a dit, il y avait une tenue à un endroit. Après, ce qu'il y a, c'est un endroit où il y a eu un mutant avant. Je suis pas hyper confiance dans le fait qu'il n'y ait plus de mutants. Je crois qu'on ne veut même pas repasser en vrai. Alors attendez, F5. Bonjour. Put down your gun. It won't help you anyway. Bah ça tombe bien, j'ai pas mon gun. Voilà. Tout va bien. Je sais pas pourquoi je vais dans ce tuyau. Une volonté de souffrance. Semblerait. Hey, Pops is in. Shell out the dough. You underestimated the old man. He's lucky Waran didn't interrogate him first. Bon, pour l'instant, on n'est pas ennemis. Mais c'est tout ce qui compte. Genre là, quand c'est comme ça, là, la qualité du tuyau à droite, là. On en parle. Ça fait hyper réaliste, quoi. Enfin, pour moi, en tout cas. Écoutez, hein. De mon point de vue, de quelqu'un qui a joué aux Tortues Ninja, sur la Game Boy, ces tuyaux sont très réalistes. Clairement.
Ah, mais ça aussi, j'en connais ce bâtiment, non? C'est quelque chose. Pas celui où on s'était battu avec des chiens? En tout cas, faut aller plus haut. Comme dirait l'autre. Allons-y. Au-dessus encore en fait. Ouais. Comment on va au-dessus encore? En passant par là. Par là, ok. Je vais juste continuer. Bah ça fera pas de mal parce que c'est vrai que là les soins j'en ai quand même pas mal dépensé. Enfin je dis ça, j'en ai encore beaucoup mais... F5, hein. N'est pas à l'abri d'une vilaine chute. On a un nouveau masque. Il y a un petit pouic. Ah. You might be an egghead, Herman. Non mais ça on le sait. Sucks. Let's do it the smart way, okay? You throw the scanners away with the circa trash. Make sure nobody sees you. Diggers, get them and bring them to the labyrinth for radiation cleanup. I'll get artifacts to absorb the radiation. Swiping a few from Lonus ain't a problem. Once clean, I'll send Dio to tinker with them just like we talked about. Then we scatter them around the dig site, and I'll send the coordinates to our bios. Just keep your freaking head down, you got it? You better. You're a smart one. Okay. Donc il y a une planque en haut aussi. Ici. Espérant qu'on me laisse faire ma vie. On va bien voir. You'd better lay low. I'm watching you, chum. Watch me, watch me. Watch me donc. C'est pas la planque du siècle, hein. Mais bon. On n'est pas là pour le loot, on est là pour le voyage. Oh, c'est dangereux ça. Hop là. Bah, j'espère qu'on va pouvoir faire ami-ami avec Varan. Oh, salut. It's brave of you to come to my camp. Uninvited. But fortune favors the bold. Let me ask you a question. Me first. Did your men attack me and take my scanner? Now? This is getting interesting. Are you here to kill me? I would, if I were you. When push comes to shove, strike first and strike hard. Watch your tongue, though. We're on the same side. Iron and his crew got attacked while they were refueling a spent artifact. Sound familiar? The boys fought them off, but I'm not about to let it slide. Do you know who attacked your men? If I knew, I'd have buried the fuckers. But they left me a gift in the form of one of their men. I can set up a meeting for you. He's not a talkative guy, but I bet you'll think of something. But it'll cost you. That or... Putain, je l'ai l'argent. That's a lot of money. Any other options?
Nestor is in the past. Only two men stand in my way of becoming the kingpin of garbage. Je lui ai donné la thune. Roosevelt, the leader of the commissary, and the Shah, the boss of the brood. Roosevelt is supported by duty, while the Shah is backed by freedom. Since the treaty, the factions no longer fight in the open, but they're both eager to put their puppet in charge of the slack heap. I could have wiped them out on my own, but a smart man never misses a good opportunity. Kill either of the bosses and bring me his PDA. Je me suis occupé de ton problème, ah bon? Your problem is already taken care of. And you expect me to just take your word for it? I'm not asking for the heads on a platter. A PDA would suffice. Bring me a PDA and we'll talk. Alors, c'est le truc qu'on a vu la dernière fois avec la quête. Mais en vrai, j'ai les 20 000, hein. Money or a PDA from one of the kingpins. Otherwise, you're not welcome here, Loner. Ah, on pourrait parler à l'autre aussi. About your competition. Let me make one thing clear. They're not my competition. Just a couple of lowlifes who got ahead because of their connections with freedom and duty. So what do you want? Tell me more about this Shah guy. The Shah is a greedy psycho. Freedom pumps him full of dough, but his men only get the scraps. It's almost like they prop him up just to spite duty. I wish I could tell you the dog from the brood is all bark and no bite, but I'm afraid that's not the case. What kind of man is that Roosevelt? I've never had any dealings with Roosevelt. He's a stuck-up son of a bitch. But he's got a tough crew and some decent gear, and he's not stupid. Why would he kowtow to duty after they kicked him out? Beats me. The man's got no self-respect. That's all for now. You're taking your sweet-ass time, loner. J'ai envie de parler au truc, l'option qu'on m'a donnée de parler à l'autre, là. Je pense que ça peut être pas mal. Parler à Boro Dulin, roi de la colline. On va aller voir ça. Je pense que c'est intéressant. Voir qu'est-ce qu'il nous dit, quoi. Parce qu'après, là, j'ai déjà de quoi faire pression sur le chat, etc. On l'avait vu, de toute façon. Avant que je doive charger plus loin. J'ai de quoi lui dire, vas-y, file-moi ton PDA. Et si je fais ça, je balance l'enseignant. Ce qui, en soi, me dérange pas plus que ça. Hein. Parce que l'enseignant, il a quand même buté un coursier. Donc il est pas si gentil que ça. Voir. Je vais voir ce qu'il me propose. Je pense que le Roosevelt serait plus sympa à garder dans le l'échiquier. Parce que l'autre, il a juste l'air débile. Profondément débile. Après, vous savez que j'aime bien essayer de résoudre les trucs sans tuer personne. Quand je peux. Enfin, tout à l'heure, par exemple, j'ai tué l'autre, mais c'était vraiment un enfoiré de fou. Ah, oh. Ça fait mal. Je vais juste voir. J'ai oublié une cache ici. Et non, juste un crâne. Comme quoi. Oh. Personnellement. Of course! Freedom, Batman, you're not mine!
Pourquoi je suis coincé là? C'est quoi, des sables mouvants, c'est ça? Hey, march your ass over here, private. Wanna hunt some mutants with a real colonel from duty, private? Pas très envie, mais allons-y. How about this, colonel? You get your hunt, and I get some information. I need to get into the commissary quietly. And I hear you know the place like the back of your hand. I used to have every rodent out there lining up to report to me until that bastard Roosevelt. Did we know that? But none of your business. You want information? Load up your boomstick. We'll see if you're fit for anything beyond wiping freedom's asses. Il est parti où là? Ok. Ça doit être dans le tunnel de toute façon. Faut qu'il survive, hein? Nice report! We're gonna butcher him like cattle! Hey! Over here, you freaks! Ok, c'est par là. Ah oui, forcément. Il est où? Je veux juste pas qu'il se fasse buter, mais... C'est pas cocher. J'en mets un gros mutant pour la fin. Logique. Did you see that? Ah non, c'est tout? Watch and learn, private. Remember, colonel, I need information about the commissary. Soldiers who hide behind senior officers don't deserve squat. You know what? I ain't done shooting yet. These mutants might look scary, but they suck as targets. How about you entertain me now? I'll give you some time to hide your ass, and then I'll start shooting. Survive for 1 minute, and you'll get your commissary pass. That's what you promised me last time, but here we are. Duty's word is stronger than a burro's head. Be a good sport, and you'll get yours. So, how's about it? Sure thing. You can't hit anything anyway, Colonel. We'll see about that. I'm counting to three. Time's up! Now run! Ready or not, I'm coming to get ya! Let's have some fun! Oh, je suis bien caché.
Il a dit une minute, hein. Damn, that feels good. I haven't had that much time since Prick yet. When we nailed those freedom bastards one by one. You alive over there? Good. Now we can talk. Impressive. Just made my day. Now, about the commissary. Use the pipe. Après, si on peut voler en PDA sans tuer personne ni rien, c'est mieux. All the way around the building. Climb in through the bathroom in the courtyard. Then get on the balcony and you're in. Don't fall for Roosevelt's sweet talk. He's an asshole. Remember, you're only alive because I wanted it that way. Colonel. All never misses. Colonel takes care of his men. Where's your escort, Colonel? That's enough questions. A duty colonel answers to no one. Colonels don't wander around the zone alone. It's none of your business. Now run along, private. A few more questions. Sure. Let's hear him. Roosevelt? Who's that? Friend of mine. My best friend. The bastard. He and I used to give freedom hell back in the day. Until the ward got us in a chokehold with their fucking arms, this treaty. Anyway. So we ended up here. At the garbage. This place. Yeah, here turns people into trash. Then the power went to Roosevelt's head, and he kicked me out. Said I was too drunk. So what? Those freedom sons of bitches are living their best life, and we're stuck here hunting those brood scum. Why shouldn't I get loaded? What can you tell me about duty, Colonel? The duty I knew is all but gone. Now they're just the ward's lapdogs. But at least those dogs still get sicked on bad guys instead of just carrying caution of slippers in their mouths. Why do you hate freedom so much, Colonel? Because they're pussies. Only pussies with gut rookies who haven't even got a whiff of the zone yet. If I'd been at Rostock back then, McClure wouldn't have gotten shit. Anything I should know about the commissary? Nowadays, it's run-of-the-mill criminal hangout. Except they shoot a little better. Takes time to piss that duty training away. Run along now. Eh ben, bon, je pense qu'on va faire le truc qui est lié à ce qu'on vient d'avoir, c'est quand même mieux. Ah mais Roosevelt c'est... Ah ouais, c'est là-haut. Ah ouais. Ok. Bon, tu sais quoi, on rentre. Où je pourrais ne pas m'interposer et simplement donner la thune.
Il me fait hésiter. Ouais. Mon perso, en vrai, il serait pas du genre à s'interposer comme ça. Je pense que je vais vraiment lui filer la thune. Je voulais faire la quête, mais... C'est une logique par rapport à ma façon de jouer, justement. Je loot énormément. Je vais faire l'option où je lui file la thune. Vu que mon but, c'est d'interférer un minimum. Ce sera mieux. Take your pick, Stark. You got... Hop. Ça peut arriver que les mobs te pop dessus, ouais. Non, c'est quelque chose qui va être amélioré dans le prochain patch. Et après, ils visent bien, oui, ça c'est... Mais bon, ça, ça a toujours été. C'est pas nouveau. Et justement, toi aussi, tu dois bien... Genre, c'est la tête ou rien, quoi. Mais par contre... L'IA, normalement, si, hein, en vrai, ils sont forts, justement. Tu dis qu'ils ont la même botte. Bah, c'est ça. Alors, hop. Tac. Ça, c'est bon. Ouais, il me restera encore 15 000 après avoir payé, ça va. Bring back some loot next. Plus même si je vends des mules. Ouais. Après, la capacité à tirer dessus des mobs, elle va pas changer. Hein. Ce serait dommage. Justement, il faut qu'ils te mettent la pression. C'est toute l'idée. Que je reprends des balles de l'autre, ouais. Hein. Celle-ci. Hop. Du coup, ouais, je vais aller payer. Je vais aller payer, ça me semble bien. Je me sens bien de payer. J'ai pas du tout envie d'être ennemi, que ce soit avec eux ou avec eux. Let's go. Mais comme ça on a fait la petite annexe qui était marrant. Et après juste tuer les autres. En plus on a vu une option tout à l'heure vu que j'avais fait le truc de dire au char que je voulais son PDA. Donc je pense qu'on est bien comme ça.
Attendez, j'ai un doute, c'est cette usine. Ouais, si, c'est ça. Ok. Hop. I heard Iron almost got killed. Iron killed. Il est rentré avec le gars là comme ça. Hop. Ah mince, il met le sauvegarde en cours affiché. Terrible. Bon, du coup, ça part se faire un petit 20k. I want either money or a PDA from... Here's the money. I think it's a fair price. A stalker has to work for months to make this kind of money. They pissed you off pretty good, didn't they? Do you know how they got you, by the way? The scanners are bugged. Nestor told me. All right. Now for my part of the deal. One of the attackers is locked up in the underground garage. Here's the key. Have a nice chat. Head over to the underground garage, loner. That's where we keep... Oop. Our mystery guest. Du coup, le roi de la colline, il me l'a mis comment? Comme ça. Ok. Parfait. En vrai, nickel. C'est ce que je voulais. Nestor, il va pas bien, Nestor, là. Là, je m'attendais pas à ça. Okay. Well, well. Ah! I didn't expect Iron to bring me such an important guest. If you're willing to jump through hoops for his sake, what would the others do? So I'll ask you the question I didn't ask the first time we met. What makes you think you're gonna get out of here alive? Cover me, I'll hide! Ben d'accord. Oula, j'ai plus cher à dire avec toi. Ok. Mais soit. Je le rush, je pense. Oh merde, il restait un derrière. Ah, j'avais pas vu. Ah, j'aurais dû envoyer une grue du coup. Je savais pas. Dommage. Terrible.
Well, well. So I'll ask you to quit. Wake up! Assholes inbound! Merde, la porte m'empêchait de passer. Oh, c'était si dangereux. Oui, j'utilise le shotgun de très loin, mais il a une très bonne portée. Comme vous pouvez le voir. Du coup, on va pas s'embêter. J'ai pas eu le temps de... Ok, on a pu sauvegarder, ça va. Pas rien ce passage. C'est pas rien. Ah, ils sont au-dessus.
c'était efficace. Du coup, il me l'a fait à l'envers. T'imagines, j'aurais été tuer des gens pour lui. Enfin, c'est bien lui qui me l'a fait à l'envers, je crois. Parce qu'à un moment, j'avais l'impression qu'il était kidnappé par quelqu'un, mais non. Je suis plutôt satisfaite d'avoir tué personne pour Varan. C'était finalement lui le plus gros enfoiré de la zone. Ok, on s'en est sorti. Dans le doute, j'ai buté les trois. Bah écoute, c'est une option à laquelle je me suis dit ça marche aussi, tu vois. Genre, tu éradiques les bandits, quoi. Mais moi, je suis partie dans l'optique, c'est pour ça que là, je suis restée comme ça, dans l'optique de. L'ingérence minimale. Mais c'est vrai qu'il y a ça aussi de possible. Là du coup il y a un gars qui se bat dans la nature avec mes 20k. Foiré. En tout cas c'était pas mal encore hein. Franchement. Moi j'aime bien les missions qu'on nous fait faire. Hein. J'aime pas du tout quand ça fait ça là. Hein. Je trouve que les annexes, elles ont un côté un peu parfois amusant, etc. Et les principales, elles ont un côté plus, je trouve, agent secret. Qui me plaît beaucoup. Les deux sont intéressants, du coup. Je pense que je vais me stopper après là qu'on ait rendu cette mission, ça me semble bien. Ça aura fait une belle session. Bon, il y a deux endroits où je peux aller là. Mais bon. Ah oui, dans les notes, j'ai eu des trucs. Attendez. C'est quoi ce bordel, Nestor? Qu'est-ce qui va pas? On a emporté ton putain de scanner hier et des enflures ont attaqué mes gars. Qui ça? Ils avaient l'aspect de solitaire, mais je crois que c'était un déguisement. Le fer pense qu'ils ne sont pas d'ici. On en a invité un à venir discuter. J'en sais un, Varan. Nestor, espèce de fils de pute, mes gars se sont penchés sur ton scanner, tu essaies de me baiser? Il est trafiqué. Tu voulais que ces tueurs pillent mon usine? Tu dois être très occupé, peu importe, on réglera bientôt ça face à face. Et Nestor est mort quand même. Comme quoi c'est pas. What's going on? Are you taking over the slag heap? The ward asks the questions around here. The rest of you just smile and nod or keep your mouths shut. About face, stalker. Go ahead, but don't make any trouble or I'll shoot to kill. I've got orders. Du coup, la garde a pris possession de la zone. Ok. Et alors, au niveau de l'arme, hein. Attends, je veux juste voir en comparaison. Meilleure pénétration, moins de précision. Ok. It's gonna be hard time for them.
mash them. You got. Alors, hop. Ça, je le donne. Alors, je vais ranger. Attends, qu'est-ce que c'est ? Deux secondes. Ok. Hop. Mais ça qui est cool, on a le sentiment, alors je sais pas à quel point ça impacte, mais en tant que joueur, on a le sentiment de prendre des décisions importantes. Et ce qui est important au final, c'est qu'on ait au moins l'illusion et qu'elle soit parfaite. J'ai pas l'impression que ça n'a pas d'impact. Et alors ça se trouve, ça en a pas. Mais en ressenti personnel, là, j'ai l'impression de vraiment faire des décisions. Hop. Ça va, on est à 23 000 alors qu'on a donné 20 000 à un gars. On s'en sort pas si mal. Hein. Et rebraise. Ok, on sera à 48, c'est bien. Et en vrai, on peut faire mieux que ça. Je peux les vendre, les trucs qu'il y a là. Après, je serais mieux de les vendre à quelqu'un qui est mon pote, mais bon. Pour que ça vaille plus cher. Ouais. En vrai, ouais. Je vais attendre qu'on soit pote. 6... Ça me plaît bien. Que se passe-t-il? What's going on in here? The colonel's cleaning up the place. It's about time you guys got brought to heel. Ah bah super. I'm looking for Dio. Is he here? I figured you'd be taller. Head to the first floor. Dio's up there. I'll let him know you're here. Nestor picked the wrong time to piss off. Ah, Nestor, il s'est bien fait, ouais. Si je puis me permettre. Bah, on m'a dit d'aller à l'étage. Are you deaf or Cottonwood? Keep out. Kind your dome's made of, you blackhead. I'm looking for Dio. The guard at the workshop told me he's here. Name? Skiff. All right, go ahead. Ah, tu vois quand tu veux. Your equipment, Professor, not at Circa. Out there in the zone. Who knows who's got it now? Deep. Where's the diode? Hey. You know, the technician? You like asking questions, don't you? Diode said you asked him about some scanners. The thing about Hold the scanner... Hold on, Galen. Take a seat. Let's talk. Dima.
Colonel, if I may. It's Skiff, right? I need you... I need all of us to understand the urgency of the situation, given the extreme importance of our mission. That goes for you too, Skiff. I hear you've managed to activate one of our devices. The Institute's most valuable invention. You got it to work at the old bridge, didn't you? And the artifact? There was a faded artifact in the scanner. What happened to it? I see the scanner. Tracing for anomalous activity in radio signals. Docker PDA detected. Someone here! Oh, God! Search him. I was there. I was attacked, just like your men. The scanner was stolen. And I'm looking for the scumbags who took it. Dima, are you okay? Yeah. Fuck it. We're all in the same boat. Help me find those bastards, Skiff. Maybe you know something I don't. Oh, dans la vraie vie, je leur montrerai, hein. Something similar happened to Varan, a bandit from Garbage. He had a scanner and... What? Another goddamn scanner? Why are there bandits running around Garbage with your precious invention? Another scanner? Don't play dumb with me! At this point, there are more scanners in the zone than there are fucking stalkers! I don't know well, about I don't that! Know if whoa, guys. Varan's men were attacked. But one of the attackers had this. Ah, donc c'était pas Varan, c'était l'autre. Holy shit! Bref. A monolith PDA. Now I can finally burn their fucking nest down. Wild Island. Fortifications. Colonel. Two... No, three. They're pretty heavily armed. Colonel! Where are they getting their equipment? Give me the radio. Faut que j'aille faire un tour chez les... Zartov, come in. The scanner and the artifact out there in the hands of lunatics, among the mud and the toxic waste. Colonel. What? Please. What if the scanner gets damaged in the fighting? These are not stalkers, but former monolithians. No, this is out of the question. I can't bear to think about it. Maybe we should send some neutral person to the island. Someone who's already helped you. I mean us. Come on. Think about the risk. We could lose the very thing we've been striving to obtain. Colonel, this is Zartov. I don't copy. Please repeat. Over. Colonel. Just checking in. Over and out. Thank you. Unfortunately, I haven't had a chance to introduce myself. My name is Dmitro Dalin, and I'm the head of Circa. Temple of Science, a haven for geniuses, a place where the Holy Grail is not sought, but invented. The scanner is the Institute's greatest achievement, but right now, all that really matters is the revived artifact at the heart of it. If you get it back, our dream can become a reality. Mankind will be transformed. We'll open the way for future technology. And it will all be thanks to you. Thanks to your courage and dedication to progress. You'll be leading the way. The brink of a new scientific era. That's wonderful, man. But I'm here because the anomaly burned down my home on the mainland. And someone's gotta pay for it. This cannot be. But it did. Another of your miscalculations, eh, Einstein? Skiff, head over to Wild Island and find their leader, Strider. He'll know where the gang hangs out. And if you can persuade him, he just may tell you what kind of shady business they've gone and got themselves into. I'll get you a new one. Take this. It'll come in handy if someone gives you the silent treatment.
Good luck, soldier. Keep in touch. J'aime bien ce colonel. You know the way. Wild Island. Noontide base. Talk to their leader, Strider. Find out what this monolithian gadget has to do with my men getting killed and the scanner getting stolen. Nah. First, I need more information about Noontide. Exactly. Pour me one. Noontide is what's left of Monolith. By all accounts, they're a shadow of their former self. But I still advise caution. Their base on Wild Island is heavily fortified, and it looks like they've got something to hide. Besides, those combat skills stay with a man forever. Even if your memory gets wiped, your body never forgets. What can you tell me about Monolith, Colonel? The middle of the zone used to be protected by a well-armed and superbly trained group called Monolith, and they did their job extremely effectively. Of course, their exceptional discipline had more to do with so-called scientific progress than any kind of training. It was dirty work, but their effectiveness was still unmatched. How did the scanners end up in the zone, Colonel? The wardens are doing their job, Stalker. Circa has been secured against outside threats. But our brilliant Professor Dahlin here is too obsessed with his experiments to keep an eye on his own staff. And he leaves his toys all over the place. What's gonna happen to the slag heap now? We'll maintain order here. Nestor was a compromise, but the time for compromises is over. If the ward isn't in control, the locals will be at each other's throats in no time flat. You've seen it for yourself, from the front row. Yeah. Okay. Et toi? Don't take too long, please. I can hardly believe we're about to get it back. My Institute's greatest invention. I'd like to hear more about Circa, from the man who's in charge of it. Wondering what's hidden inside those walls, are you? I understand. I've never been one to ignore a good mystery either. Not since I was a child. It's a miracle. Imagine you found the Holy Grail. It can cure the sick, give hope to the despondent. Would you hand it to scientists so everyone could benefit from it? I'm not sure I want to know your answer. Well, my answer is Circa. Its purpose is to channel the power of the zone for the good of all mankind. Why do you call the scanner your greatest invention? You're already acquainted with its functionality. You've seen what happens when it's activated. It used to be that we could only interact with the zone's manifestations, such as anomalies and artifacts. The scanner makes it possible to manipulate anomalous energy directly. Everything else is merely a side effect. Do you understand? This invention has already changed the world. This is about more than just a scanner. What makes the artifact inside so important? The artifact could be the key. I hope you're not thinking about selling it. No one understands its real value. No one else would beat my offer. Bring it to Circa, and I'll explain everything. How did the scanners end up in the zone, Professor? I have no idea. Ask Colonel Korshunov. That's his line of work. I don't understand why you need to be so dramatic. Were it not for this, who knows how long it would have taken us to find it. See you later. Oop. Wait. Ask wasn't there something officer. We wanted to do? Like, drink? Nah. First, we got a port. Exactly. Une nouvelle planque. Non mais la planque elle est... Je peux
on va casser ça. J'ai pas le droit. Mais plus haut encore. Oh, pardon. J'ai cassé la porte. Je me demande si je peux passer là. Non, je peux pas. Bon, bah, trop bien. Hey, Skiff. Ouais, j'arrive. It's gonna be hard time for the slave. I'd like a word with you. The kingpin would be happy if there's nobody here to shoot the shit with. On peut plus arrêter le jeu, les gens. Ils font que nous parler. Regardez-moi ce petit insigne là. I don't even want to know what Korshnev wanted from you. Blah blah blah, keep in order, blah blah blah. The zone is the key to the good of mankind. He doesn't give a damn about mankind or the zone, even though the war is already becoming a part of it. Don't tell him that though. The news would crush that poor bastard. You should drop by the sawmill, Skiff. You've already seen one side of the zone. It's about time you saw the other. You won't regret it, I promise. Come on, Skiff! The sawmill! No one's gonna wait for you forever. You guys are hysterical. Okay, I don't want to. Du coup, là, j'ai deux. Ah non. Elle est assurée, c'est ça. Ok. Non, il y a ça et ça qui sont pas faits, hein. C'est terrible. Je vais aller chercher le loot. Et puis, je vais m'arrêter ici, je pense. C'est pas mal. Ah, je serais bien aller voir Roosevelt quand même. Terrible. Juste voir ce qu'il a à nous dire. Rien, je pense, mais. Dans le loot. Comme on dit. C'est plus haut. Du coup, c'est l'autre côté. Voilà. Bah, c'est surtout que j'essaye de... toujours aller faire des pans de choses pour mes let's play. Ça se voit peut-être pas, mais... en fait, mes épisodes sont toujours organisés de telle sorte qu'on ait fini un truc en entier. C'est pas fait au pif. C'est fait exprès, les séparations entre les épisodes sont faites exprès. Et je vais pas commencer un épisode par aller voir Roosevelt, ce qui va probablement rien me donner en fait. Voilà. C'est pour ça. L'épisode précédent par exemple c'était sur les annexes, là c'était sur tout un arc d'histoire. C'est pour ça aussi je continue pas l'histoire principale, parce que là... bah on en arrive à un point... jalon un peu. Et moi qui pensais que c'était l'envie. Aussi. Mais j'essaie d'organiser. Après c'est quelque chose que je fais naturellement maintenant, hein, après tout ce temps à faire des vidéos et des let's play. J'ai besoin d'y réfléchir. Ça va. Mais ouais, si j'étais pas consciencieuse, je laisserais un sac en plein milieu là. On commencerait par aller voir Roosevelt, ce serait très chiant en début d'épisode. Alors que là, bah, on va aller direct là quand on commencera notre prochain épisode. C'est pour ça que je suis deck quand un épisode commence par un échec. Parce que c'est moins ouf. Mais bon, comme on peut. Pourquoi, ouais. Ah, c'est là. Ah, c'est drôle.
Mais c'est ça que je... sur ma route pour revenir le choper plus tard. Écoute. Et tout ça en essayant de faire des épisodes d'à peu près une durée de 3 heures. Qu'est-ce que je fais pas pour vous, hein? Lui, on a déjà cherché, ok. Dangereux. Par contre, là, je pense que ça va. Ça va. Ça va, ça va. Hop. Donc ça, c'est bon. Et donc, ouais, je peux faire un tour à Roosevelt et je reviens ici. Du coup, Roosevelt, il est là. Stay away from the APC. I know you packed rats and steal energy and stay down. Parce que bon, quand même, on en a parlé, on n'est pas allé le voir, c'est quand même dommage. Autant aller voir à quoi il ressemble, ce Roosevelt. Même si on pourra probablement pas rentrer, mais... Dans le marécage, là. À l'aide. Mais oui, oui. C'est comme quand vous me dites ça fait tant de temps. Je le regarde tout le temps, le temps que ça fait que je suis en train de jouer. Juste, je vous le dis pas. Ça, des fois, je presse un peu. Et puis des fois, je sais que j'ai le temps. Donc c'est ici. Non, j'aimerais juste les voir. Genre me rapprocher. Voilà. Ah, ils sont en ennemi. Ceux-là. Semblerait. Ceux-là, ils sont marqués ennemis. Ok. En bas. On n'a même pas le droit de se parler. Ah non, lui, il est pas marqué ennemi. C'est bizarre. On va voir. Vas-y. Bonjour. Bonjour. Freeze, motherfucker. I mean, halt, stalker. Ah ouais, mais lui, il me tire quand même dessus. En fait, il me tire dessus quand ils sont pas dans la zone... dans la zone du trick. Alors ça, c'est un petit peu drôle. J'aimerais juste déclencher le bonhomme puis me casser. Je veux dire, du coup. Ce serait parfait. Genre, on se tape pas. Freeze, motherfucker! I mean, Holt, stalker. This is the commissary. You can't go in without a personal invitation from Roosevelt. Parfait. Hop. Juste voir si je peux interagir avec.
our boss is all right, but he's kind of lousy at making friends. Always keeps to himself. Then again, if my ex-buddies were throwing vodka bottles at my windows and shouting about what a prick I am, I wouldn't get along with people either. Right. Move along. Allez, bisous. On se casse. Hop. Bon, bah on va juste retourner à la ville, du coup. Ça me semble bien. C'est marrant, du coup, ils sont pas marqués alors que lui, il est marqué. Il y a ça et ça qui sont pas faits, mais c'est pas grave. S'il me reste un ou deux trucs par zone, c'est ok. On va récupérer le PDA qu'on avait récupéré, qu'on n'a pas du coup chopé. Session dans les deux aspects, que ce soit les annexes ou les principales. 3-1. On a une arme qui me plaît. Oh, top! Petit vidage de stuff et on est bon. Dans les temps. Pas obligé de grogner comme ça, Demi, mais. Ça va bien se passer. Bon, comme ça, je suis full vie. C'est parfait. Hop. Je suis en train de faire collection des trucs, hein. Ça me va. J'aime bien l'idée. Take your pick. You got. Et ben voilà, 26k. On a bien tanké le truc de Varane. Ça, c'est ok. Prochaine étape, la Syrie. C'est juste ici. On va peut-être choper ça en même temps. À mon avis, ça, on va y aller de toute façon, donc en vrai, ça va. Hop! Trop trop bien. Je suis à 16 heures de jeu là? Je crois bien, hein. Attends. J'attends qu'il ait fini le sauvegarde en cours. Hop! On est bon. Trop bien. Affaire à suivre.
J'ai bien hâte de faire la suite de tout ça. Je parlais du temps de jeu global, Marc. Et bien, nickel. Écoutez, pas de bug, rien. On a eu l'histoire de la quête, mais finalement, en fait, suffisait de... Il a suffi que je recharge et que je fasse... Juste avant d'ordonner la caisse, et c'était bon. Donc aucun problème. Au top. Et puis le patch devrait arriver incessamment sous peu, donc on devrait pouvoir en profiter. Pour l'instant, en tout cas, on reste sur un 15h, pas de bug. Tout va bien. Et d'ailleurs, le bug que j'avais eu au bout de 10h, là, c'était vraiment un driver son qui avait un problème. J'avais un driver son qui n'était pas à jour. Depuis que je l'ai mis à jour, ça, c'est pas reproduit, donc... Donc voilà.